Je suis du Congo Kinshasa. Ça fait 18 ans que je suis là. Mon mari était agent secret. Agent secret. Et mon mari a été tué. C'est pourquoi je me suis permis de venir ici en France pour me cacher un peu ici. Je me débrouillais de gauche à droite pour envoyer à mon père, pour nourrir mes enfants, pour les envoyer à l'école. J'ai quitté Kinshasa et puis je suis venu ici à Paris. Il fallait que je passe d'abord par l'Angola, par le camion. J'ai pris un passeport d'emprunt jusqu'en Italie. Angola, Italie, c'est toujours de bateau. C'est pas facile le voyage en bateau. Beaucoup du monde, mais si vous étiez 300, 400, il y a beaucoup qui tombaient dans l'eau, qui restaient. Il faut avoir du courage. Beaucoup, beaucoup de femmes qui ont été violées, tout simplement parce qu'elles n'ont pas l'argent, tout ça pour venir ici pour chercher leur vie. Et moi, j'ai échappé à la mort. Mais quand on entre dans des endroits pareils, il faut toujours avoir quelqu'un à qui s'accrocher. Ça me fait trop mal. On n'a pas de papier, on n'a pas le droit de travailler. Ouais, moi avec Janelle, on s'entend bien. On est des amis, on discute s'il y a un problème, on se parle et tout ça. Puis on se dispute souvent. Souvent. Voilà. Oui, c'est la famille. C'est la famille. Si on me demande d'aller ailleurs, je dirais non. Non. Je préfère rester ici. Moi aussi, j'ai passé toute ma vie ici. Ailleurs, je n'irai pas. Non. Il faut s'élever, il faut se battre, chercher de soi-même. Moi, mon souci maintenant, c'est que j'ai mes papiers, que j'ai fait venir mes enfants. Voilà.